survenant. Bonsoir et bienvenue à Reste à l'écoute, une série de 4 émissions qui célèbre nos téléromans. Les tout premiers téléromans étaient en fait d'anciens radioromans que nous appelions à l'époque romans fleuves. Alors, des œuvres comme Un homme et son péché, Le survenant, sans oublier La famille Plouf. Ces émissions étaient la plupart du temps tirées d'une œuvre romanesque, d'un roman datant des années 30. Le premier auteur à faire le saut et à écrire pour ce médium nouveau qu'était la télévision, c'est bien sûr Roger Lemelin, qu'on a surnommé l'inventeur de notre téléroman. C'est d'ailleurs à la suite de pression des commanditaires que son populaire radioroman est devenu téléroman le 4 novembre 1953. Alors au début, l'émission était présentée en direct, ce qui posait des problèmes sérieux aux comédiens qui n'avaient pas de formation théâtrale. À la radio, tout le monde jouait avec son texte à la main, mais à la télévision, c'était plus possible. Donc, certains comédiens écrivaient leur texte sur l'envers d'un panneau de décor. Ou à l'intérieur d'une porte d'armoire. Ou carrément sur le plancher. Le régisseur devait suivre les comédiens, souvent à quatre pattes, pour leur souffler leur texte. C'était la belle époque. Le premier téléroman de Radio-Canada, c'était Les Ploufs, dont nous verrons les premières images dans quelques secondes. Mais j'attire votre attention sur le premier téléroman de Télémétropole, qui racontait lui aussi l'histoire d'une famille et qui s'intitulait Ma femme et moi. Un texte de Pierre Dagenais, dont vous verrez quelques images du seul épisode encore existant. Faites mes pensées qui résonnent. Pensez justement qu'il n'y a pas un garçon dans la famille qui sort avec les filles ici. Bon, les filles de tes frères sont mieux avec leur mère, sont en sûreté. Ouais. En fait, je suis seule comme une dingue, moi, parmi cette bande d'hommes. Au moins, je pourrais sortir avec leur blond. Oh, non, mais entendez-vous ça, les garçons? Ah, vive! Guillaume! Fabien! C'est s'il te plaît que vous ne sortez pas avec les filles! Bon, bien 7 heures, mais il faut que je parte si je veux arriver à temps pratique. Viens-tu? Non, je rajoute demain. Non, j'ai des journaux d'amasser, une centaine de portraits collés dans mon album. Chanteur d'opéra! Oui, l'opéra. Ça vous passe pas mal au-dessus de la tête, ça, mes frères. Heureusement qu'il y en a un dans la famille pour s'occuper des choses de l'esprit. Le sport, toujours le sport. Pensez donc à la culture, un peu. La culture physique, ça fâche. On chante pas, nous. On lit pas, on force. Le Canada français s'en va, mon Dieu, dont je ne sais trop quelle triste destinée. Le sport, toujours le sport. Ah, Guillaume, écoute, là, pratique ton petit épaule, pratique ton lancer, puis ton coup de patin, allonge-le. Ouais, OK. Moi, OK, je prends mes patins. C'est ça. Allez, mon frère. Vas-y, tu n'as plus les cheveux. Mais j'étais en train d'étudier et... Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien. Un simple courant d'air. Oui, bien, ça. Chérie. Hein? Un courant d'air. Vous en faites pas, hein? C'était rien du tout. Rien. Restons dans l'univers de la famille, et même dans celui de Roger Lemelin, avec un extrait mettant en vedette Roland Chenaille dans le rôle de Fred Chevalier, le père de famille d'En haut de la pente douce. C'est suivi du même Roland Chenaille, quelques années plus tard, le vieux lion du clan Beaulieu.
papa, avec tout cet argent qu'on me demande, peux-tu vraiment me payer ces 5 années de médecine? Si je le fais. Commandant, est-ce que jusqu'à présent, je vous ai refusé le nécessaire? Je vous donne l'impression d'un homme incapable de faire face à ses obligations familiales, son milieu social. T'inquiète pas. Le chevalier sera bien conduit à ses enfants à terme, au bord de leur vie d'adulte. Et pour toi, le terme, c'est d'être médecin. Il faut être réaliste, papa. Ton salaire de comptable, je le connais. Tu le connais? Oui. Maman croit que c'est le double, mais moi, je sais que tu gagnes 5 006. Mais comment peux-tu savoir? L'avenir ne laisse pas traîner ce talon de chèque de paie sur la banque à nous. Non. Rien dit. Et des à côté, des contrats de comptabilité qui sont drôlement payants. Et puis ça, c'est mes oignons. Puis il ne faut pas pleurer. C'est toi-même, l'autre jour, qui m'a apporté cette phrase de Piggy. Les pères de famille sont les grands aventuriers des temps modernes. Ben oui. Je suis un aventurier. Qui est ici, hein? Un aventurier. Oui. Un aventurier. Je crois que vous ne comprenez pas, Madame Berger. Christian n'est plus un enfant, c'est un homme. De plus, il appartient à une grande chose qui s'appelle la famille Beaulieu, ou la compagnie Beaulieu, ou le clan Beaulieu, comme vous voudrez, peu importe le nom qu'on lui donne. Nous formons un tout, solidement soudés les uns aux autres. Et notre seul but, c'est de faire vivre cette famille, cette compagnie, ce clan. À l'intérieur de cette organisation, nous pouvons conseiller, orienter les membres de la famille, les défendre, les appuyer dans leurs efforts, mais notre premier devoir, c'est de leur faire confiance. Le passage d'une génération à une autre ne se déroule pas toujours sans heurts. Si Rosanna est heureuse et même fière de céder la chambre à coucher principale à son fils Lionel, on ne peut pas en dire autant du père Didas, en version amable. Quant à Xavier Galarneau, il a réussi à donner un nouveau sens à l'expression « quelle famille ». C'est bien beau. C'est notre gréement de noces à Antoine et moi. C'est beau, Lionel, hein? Très bien. J'ai mis notre photo de noces à ton père et moi ici sur le bureau. Parlant de bois, on le sait que vous allez nous céder votre chambre d'en bas, à moi et à Fonzaine. Moi? Tu voudrais que moi, Didas, fils de Didas, je vais ainsi vous céder ma place? Ah, pas tout à fait. Vous avoir votre chambre d'en bas. Vous dormiriez bien mieux en haut à la tranquillité. Hein? Et toi, ça va plus à ta main pour venir te gagner ton somme de, à tout bout de champ. Moi, le maître de la maison, je vais coucher en haut. C'est pas un colis. C'est des cochons, mais non, dans les terres. De même, votre réponse? C'est non. Sortirez de ma chambre les pieds devant, pas avant. Je pense pas que je t'ai donné la permission de t'asseoir là. Voyons donc, c'est que tu veux qu'elle s'assise, la paix. Où c'est qu'elle peut s'assire, ça me fait rien du moment que c'est pas à table de la famille. Ici, dedans, il n'y a rien que le monde de la famille qui sait sa table. On est quasiment mariés, Nathalie puis moi. C'est presque ma femme, la paix. Ça se peut, mais à moins que je me trompe, les bancs ont été publiés en faux. T'as rien qu'à vouloir, puis ça sera pas long, Gunbitch. Quand votre mérimante. Ça fait 3 ans d'être ça. Quand votre mérimante vous ai dit qu'il n'entrerait pas d'étrangère dans la maison pour s'assire à sa place à table. Ce qui a été dit reste dit. Je ne voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas. Je ne voudrais pas être présent. D'autant moins que le Bartin va t'attendre chez vous pour qu'il y fasse à souper. Tabarnance. T'es pas du monde, Javier. Bien sûr. Julie, prépare la petite table. Mais ça, je le prends pas, le père. Ah, toi, de le prendre, c'est elle. Ça veut manger sa petite table à l'envers. Je pense que je vais aller manger chez nous.
T'embêtes aussi. Y a des limites, gun bitch. Ceux qui sont pas contents d'apporter l'eau. Certain que je vais apprendre. Dictateur, pour tremper la soupe. Adieu, Gaël. Adieu, Anne-Marie. Ah, c'est bien là la dernière image que je voulais garder de vous. Qui est le comédien qui se cache derrière cette voix de narrateur dans ce dernier épisode du téléroman Anne-Marie? La réponse après cette pause, restez...